Frenchies. Je sors d'une journée de course incroyable, très longue, et je vais vous montrer tout ça. Et comme il ne fait plus du tout jour, il est déjà 16h, il commence à... Il n'y a plus assez de lumière pour que je vous filme mes courses. Je vais le faire dans mon salon avec l'anneau lumineux. Je suis fatiguée. On commence par quelque chose qui ne va pas vous plaire. Mais bon, mettez les commentaires que vous voulez, hein, franchement. J'ai des enfants, c'est les vacances, ils vont faire soirée pyjama, donc tout ce qui est chips et goûter. Donc nous avons, tu vois, ça l'envers. Nous avons des mix-up comme ça, un lot de, voilà, Monster Munch. Nous avons des curly en format familial. Nous avons deux paquets. Aaron et Sephora adorent ça. Nous avons des chips à l'oignon comme ça que Sephora a choisi. Nous avons des Haribo comme ça. C'est trop bon parce qu'il y a un cœur comme ça qui pétille. Ça, c'est moi qui ai choisi ça. Nous avons Aaron qui a choisi ça pour Sephora. Mais je ne sais pas s'il y avait eu. En plus, c'est tout dur. Nous avons des Malteser comme ça. Parce que tout simplement, j'adore ça. Souvent, les Maltesers, comme je sais que un certain monsieur les défonce, au lieu de manger tranquillement et de savourer, il les défonce, il prend ça comme si c'était des bonbons basiques, quoi. Souvent, je prends mon paquet de Maltesers, mon plaisir à moi, je le mets dans mon tiroir dans ma chambre, et quand je regarde mon boîtier IPTV et tout blabla, je m'enfile genre un petit peu de Maltesers. Et je conserve chaque jour pour en avoir assez. Mais lui, il vient, dès qu'il me voit, il veut manger, et à chaque fois, il finit la moitié à chaque fois, donc... Je me suis pris des napolitains comme ça parce que j'adore, c'est trop bon les napolitains. C'est les meilleurs. Ensuite, Twix pour Aaron et Sephora. Et bien sûr, les amis quand ils vont venir. Ça sont les courses du mois. Hein. Nous avons des Haribo comme ça qu'Aaron a choisi. Des sneakers comme ça par disque que Sephora a choisi. Ouais, ça c'est les petits déjeuners ça. Ça, Aaron a choisi ces céréales là parce qu'il a envie de tester. Tu kiffes? T'as pas encore testé? Nous avons le deuxième paquet de mix-up. Je me disais bien que j'avais pris deux paquets. Les enfants, je leur ai pris des madeleines bonne maman. Elles sont trop bonnes ces madeleines, sont les meilleures. Tout ce qui est bonne maman en fait c'est bon parce que c'est très bon. C'est bonne maman. Nous avons pris des capricènes comme ça à la cerise et le deuxième paquet au tropical, comme ceci. Et nous avons pris des Knoppers comme ça, ces petites gaufrettes, comme ça. On regarde comment ça à l'intérieur. Des lions comme ça que bah, j'ai pris pour les enfants et leurs amis quand ils seront là. Aaron a choisi des Fingers, c'est trop bon. C'est une tuerie ça là. Des jus de raisin. Normalement j'en ai trois. Elle est où la troisième bouteille? Quelque part. J'ai pris trois jus de raisin comme ça. Nous avons un gros pot de Mario Beys. Sephora, t'as pas intérêt à tout finir. Parce qu'on te connaît mademoiselle. Donc voilà, gros pot de Mario Beys. Ah, Aaron a choisi des petits cœurs comme ça. Complètement écrasés parce qu'il y avait des bouteilles autour. Nous avons un cube or comme ça, de l'huile spéciale friture comme ceci, un jus goyave et fruits du dragon. Normalement il y en a deux. Où est la deuxième bouteille? Je sais pas. Nous avons des jus de pomme kiwi, ça aussi normalement il y en a deux, quelque part dans un sac. Nous avons de l'huile bah, pour faire à manger tous les jours, quoi. Un paquet de croquettes pour Lady Moumoun. Un sac de litière. Nous avons la troisième bouteille de jus de raisin ici. Une boîte de thon. Là, j'ai pris deux boîtes de champignons de Paris, comme ça, pieds et machin émincés. J'ai pris de la préparation à la tomate. Normalement, je fais en fruits
tomates en fruits, mais bah, j'aime bien en avoir à la maison au cas où, si par exemple, je me dis j'ai encore des fruits et il n'y en a plus. Voilà, j'ai pas de supérette à côté. J'ai pris des bas. Des bas. Alors, j'ai pris 2 paquets de spaghettis parce que j'en ai encore plein. J'ai encore plein de pâtes. Et en parlant de pâtes, j'ai repris un lot de fusil. Mais c'est juste ça que j'ai pris en pâtes. Il n'y a pas besoin de riz, il n'y a pas besoin des blés, il n'y a pas besoin de mousseline. J'en ai encore. J'ai pris un lot de petits écoliers. Regarde-moi ça. Il y en a 9 paquets dedans, s'il te plaît. Et bien sûr, c'est déjà ouvert. Aaron et sa sœur en ont déjà pris. J'ai repris du sel. J'ai plus de sel. Voilà. C'est ma mère qui m'a dépanné la dernière fois. Elle m'a donné du sel. Tu sais, les petits pots de sel comme ça, là. Elle m'en a donné un peu. Mais voilà, j'ai plus de sel. J'ai repris du Nutella. J'ai pris un cassoulet. C'est toujours bien d'en avoir. J'ai pris du pâté de foie, comme ça. Du pain, car on a déjà ouvert. Et toujours de la sardine à l'huile de tournesol. J'aime pas les autres sardines. Des grosses saucisses comme ça, là. Normalement, je les prends à Lidl. Mais là, j'ai vu qu'il y en avait 10 dans le paquet. Je me suis dit, bon, ça va faire l'affaire. Hein. Ça va être bon pour faire un seafood boil. 2 paquets, normalement, de ça. Voilà, ouais, 2 paquets. 2 paquets de yaourt semoule bonne maman. Ce sont les meilleurs. Aaron, il a eu peur. Moi, ça. 1 paquet format géant de fromage râpé Emmental. J'ai pris en viande. Toujours, ça change pas, ça change pas. C'est toujours top pouce, top budget, je sais pas. Au champ, faites quelque chose. Hein. Des ailerons de dinde, j'en ai pris 3. Voilà. Après, dit aileron de dinde, dit aile de poulet. C'est trop bon. C'est trop bon, les ailes de poulet. C'est trop bon. Les enfants, ils aiment ça quand je fais ça rapidement. Je fais griller là, genre. Mmh. Regarde. Et j'en ai pris 4 paquets des ailes de poulet. Là. 4 paquets. C'est trop bon, les ailes de poulet. Carrément, la dernière fois, une barquette. C'est vrai, vous voulez que je vous fasse une barquette pour elle toute seule. J'ai dit, t'as rêvé, wesh. T'as rêvé? T'as rêvé? Après, avec ça, j'ai pris un pack comme ça de côte de porc. C'est quoi? Échine avec os à griller. Je les grille jamais, moi, je les fais en ragoût. C'est trop bon. Voilà. Avec ça, j'ai pris des côtes de porc comme ça, c'est quoi? Côte filet à griller. Ça, je les grille de temps en temps, ouais, je les grille. Ça, j'en ai pris 2 parce que c'est trop bon. Les petites attaches comme ça, là. Et moi? Moi, j'en veux. Moi, j'en veux. S'il te plaît. On dirait des hyènes, là. Rose, merci. Moi, j'en veux. Après, avec ça, en viande toujours, j'ai pris des cordons bleus comme ça. J'en ai pris le 24 en me disant le 25, j'aurais pas besoin de préparer, on va manger des cordons bleus ou des trucs comme ça. Ou même c'était le 23. Ils ont tout dégommé. Surtout Sephora, je sais que c'est toi qui as dégommé. Il y en a 10 dedans, elle a tout dégommé. J'étais en mode, mais... Allez, je vais les mettre au congèle. Après ça, j'ai pris Actimel. J'ai pris tout au même goût, parce que je sais que c'est celui-là mon préféré. J'ai pris tout en mode... C'est quoi? Multifruix, c'est ça? Encore? Ouais, c'est Multifruix. Et j'en ai pris 4 packs. Parce que c'est acheté, le deuxième à moins 60% ou le deuxième offert, je sais plus. Je sais plus. Donc voilà. J'ai pris du pain. Comme ça, pour aller avec le Nutella pour mes enfants. Là, ou des sandwichs blancs de poulet, beurre, t'as vu. J'en ai pris 2. La dernière fois, j'ai pris format familial. Il y a la moitié du paquet qui a pourri. Parce que les enfants, bah. Je sais pas. Un coup, ils en mangent, un coup, ils en mangent plus. Parce que peut-être que je vais faire un seafood boil dans pas longtemps. Regarde-moi ça. Elles sont déjà nettoyées, dégainées. Après, avec ça, toujours à Paris Sort, j'ai pris des chapaghettis comme ça, là. Les Ajamian. J'en ai pris 5. Dommage, eux, ils ne font toujours pas en lot. On est obligé de prendre en individuel. Regarde, il y en a 5 là. Il y en a 5.
Parce que sinon, on pourra les prendre comme ça. Là-dedans, il y en a 5. Tu vois? Normalement, ça devrait être comme ça aussi. Mais non, ils le font pas en lot comme ça. En individuel. Ça, ce sont les carbonara. Ce sont mes préférés. Je les adore. J'ai fait goûter à ma mère. Elle les a kiffés. Là, la fois qu'elle est venue, elle m'a dit, t'as plus les nouilles comme la dernière fois, là? Non, il n'y en a plus. Il n'y en avait plus. Du coup, tellement on les kiffe à la maison, j'en ai pris 2 packs. Donc, il y en a 10, là. Là, je viens de dire ça, c'est assez fort qu'ils commencent à danser là-bas. Là. Noir comme ça. Parce que je les aime quand même. Même si c'est plus eux mes préférés. Et pour finir avec. Pas pour finir. Toujours à Paris Store, j'ai pris des raviolis, crevettes, pousses de bambou. Et j'ai pris pour finir à Paris Store des feuilles d'algues. Après ça, pour finir en bonbons, j'ai pris des Maoam comme ça. La dernière fois, j'ai pris à Action juste pour goûter un petit paquet. Les amis de Sephora ont tellement kiffé qu'ils ont tout fini. Du coup, là, je dis, ça y est, je vais me faire un pot. Je vais en mettre plein. Un que je vais garder dans ma chambre pour moi. Et les deux autres, Sephora avec ses copines et Aaron et ses copains, ils pourront dégommer. Comme ce sera le 31 décembre et qu'on fêtera la bonne année à minuit, j'ai prévu... Alors, des fumigènes comme ceci, on a un blanc, ce sont à poser par terre, hein. Il y en a un bleu et il y en a un rose, tu vois, regarde, des fumigènes comme ça, on enlève, on allume la mèche, on pose par terre et là, ça fait fumer, genre, fumer, tout en fumée, regarde, là c'est fumé tout rose, là c'est fumé tout bleu et là c'est fumé toute blanche, voilà, avec ça j'ai pris mitraillette. Ce sera soit à laisser en mèche comme ça et à tout faire péter d'un coup en faisant ta-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 
Voilà. Comme souvent, je sais qu'il y en a plusieurs qui veulent voir le résultat une fois rangé. Voici le résultat.